Isabel Maria Fernandez, la commissaire internationale, a le sourire. Hier, c'était le bazar de l'épouvante sur le prologue du Tour. La tension de la veille est retombée. Le vrai départ de la course sera donné aujourd'hui. Suite à la réunion d'hier soir, les compteurs ont été mis à zéro. Boris Karen et Daniel Junon, un temps mis hors course, pourront prendre le départ. Tout est bien qui finit bien. Il a beaucoup été question de réglementation hier, avec le prologue annulé. L'émargement est un passage obligé pour les coureurs de la caravane. Pas question de manquer l'appel, sous peine de ne pas prendre le départ. On approche de 10h, le départ est imminent. Il n'y a pas de porteur de maillot suite à l'annulation d'hier. Le premier classement général de ce Tour 2017 sera établi à l'arrivée au Lamantin. Nicolas Dumont du VCG et Miquel Ubeto seront des coureurs à suivre durant toute la semaine. Les deux hommes sont de vrais expérimentés du peloton guadeloupéen. 10h, la caravane s'ébranle, c'est parti pour 8 jours d'efforts, de frissons et d'émotions sur les routes de Guadeloupe. Dès le début de l'étape, la nervosité est palpable, les premiers coups fusent et un groupe de 9 coureurs s'extirpe du peloton. Parmi eux, Christophe Dopin de l'UVN, Teddy Ringuet de la Guyane, Michael Stanislas de la Martinique, Grégory Hérin du VCG, Adrian Nunez de l'équipe Intecha, Savikas Zidrunas de Bourg-1, Ishibashi, le japonais de la Bridgestone, Pierre Almeida de Proimo et Kélian Duro du VCS. Les fuyards se dirigent vers Salines. Les hommes de tête abordent cette première difficulté avec beaucoup d'entrain. En tête, c'est le Lituanien Zidrunas Savikas qui secoue le cocotier. Le coureur de l'équipe Bourg-1 est venu avec de réelles ambitions. Derrière, on s'accroche comme on peut, mais cette première difficulté fait déjà mal aux jambes. Grégory Hérin du VCG se sent pousser des ailes à l'approche du sommet de Salines. Il durcit le rythme avec 3 compagnons, mais les écarts ne seront pas significatifs. Pour autant, on ne ralentit pas en tête de course. Ishibashi de la Bridgestone est toujours aussi généreux dans l'effort. À cet instant, la moyenne dépasse les 40 km/h et du côté de Kélian Duro, on s'accroche à ce wagon. Au kilomètre 22, on assiste à une redistribution des cartes. Ignacio Sarabia de l'équipe Intecha et Simon Butner de l'équipe Bourg-1 reviennent sur les échappées et décident de se faire la belle. Cette échappée ne sera pas décisive, mais les deux coureurs feront partie des animateurs du jour. Butner et Sarabia s'entendent à merveille. Leur avance atteint rapidement les 2 minutes sur leurs anciens camarades de tête. Devant, Butner et Sarabia poursuivent leur échappée. Ils appuient résolument sur les pédales. Les deux coureurs sont déjà venus sur les routes de Guadeloupe et sont de vrais outsiders sur cette 67e édition. Leur avance atteint les 5 minutes au kilomètre 80. Ces deux-là avaient décidé de frapper un grand coup dès le début de l'épreuve. L'entente des deux larrons fait plaisir à voir. Chacun effectue sa charge de boulot sans broncher. On le sait, sur la route du Tour, seuls les braves ont leur mot à dire. Un groupe imposant de contre se forme avec Luis Sablon du VCS, Cédric Eustache de la Martinique, Miguel Ubeto du CCD, Kélian Duro du VCS, Teddy Ringuet le Guyanais, Nicolas Dumont du VCG, Ishibashi de la Bridgestone, Grégory Hérin du VCG, Tortelier de la Défense, Diego Milan Jiménez de l'équipe Intecha, José Chacon de l'USCCP, Sébastien Fournet-Fayard, Pierre Almeida et Bonnet du Team Proimo. Ceux-là organisent la chasse. Toutefois, la poursuite a du mal à s'organiser. Le retard est déjà de 5 minutes sur les hommes de tête. Si le peloton musarde, c'est loin d'être le cas des hommes de tête qui appuient résolument sur le champignon. Au diable les calculs, Sarabia et Butner sont les téméraires du jour. La pluie a beau faire son apparition sur l'étape, rien n'y fait. Butner de bleu vêtu et Sarabia sont déchaînés sur leur monture. À l'arrière, on commence à réagir. Certains ténors, voyant l'avance devenir trop importante, décident tout simplement de durcir le train. On dit dans le jargon cycliste qu'ils se sont mis à visser. Les choses ne cessent d'évoluer à mesure qu'on approche de l'arrivée. Étienne Tortelier de la Défense et Amores Palacio de l'équipe Intecha tentent une sortie et comptent quelques secondes d'avance sur leurs anciens camarades d'échappée. Derrière eux, un trio se profile. Le peloton, quant à lui, est pointé à près d'une minute.